voulais d'abord féliciter les organisateurs de ce colloque, leur dire un grand bravo, et puis les remercier de m'avoir invité à y participer. J'en suis très heureux et très honoré. Alors je m'excuse également de ne pouvoir rester avec vous cet après-midi et d'être venu tardivement ce matin, mais j'ai cours le jeudi matin et le jeudi après-midi, et il devient trop difficile de reporter les séances d'enseignement. Alors, l'intervention que je vous propose a pour intitulé « Les frontières de l'URSS à la Russie, les conflits territoriaux post-soviétiques ». Alors, je vais être amené à requalifier ou à préciser cette intervention. Je vous parlerai de la succession territoriale de l'URSS, pour être un peu plus précis peut-être. Je lis dans le titre de ce colloque géopolitique, la nouvelle distribution des cartes, bien effectivement, les frontières de l'URSS à la Russie, je suis tout à fait concerné par cet intitulé, parce qu'effectivement, il y a un quart de siècle, il y aura bientôt un quart de siècle, nous avons assisté à une gigantesque redistribution des cartes en Eurasie, hein, en 89-91. Alors, ce n'est pas si nouveau, puisque nous remontons à un quart de siècle, mais cette redistribution des cartes n'est pas achevée. Elle n'est pas terminée. Et effectivement, je voulais rappeler de manière un petit peu liminaire que les conséquences conflictuelles de la chute des empires s'étalent sur la longue durée. On n'en a pas encore fini avec la succession géopolitique de l'Empire ottoman, effondré en 1918. La succession géopolitique de l'Empire des Habsbourg, l'Empire austro-hongrois, elle n'est pas encore complètement achevée, même si peut-être l'indépendance du Kosovo marque l'un des derniers événements de cette succession. Et quant à la succession géopolitique de l'URSS, eh bien, qui avait remplacé, je vous le rappelle, l'Empire russe en 1922, lui-même effondré en 1917, eh bien, cette succession géopolitique de l'URSS n'est pas terminée depuis 1980. Elle se poursuit, hein, et comme vous le savez, le général Verbaeck en a parlé il y a un instant, nous avons assisté en 2014 au rattachement manu militari de la Crimée, territoire ukrainien, à la Fédération de Russie, et puis nous assistons à la crise ukrainienne, à la guerre civile en Ukraine orientale, à un conflit séparatiste, hein. Mais je vous rappelle aussi que ce conflit séparatiste n'est qu'une partie peut-être d'un gigantesque bras de fer entre les puissances occidentales et la Russie sur l'orientation de l'Ukraine tout entière. Est-ce que l'Ukraine va rester dans l'espace pan-russe ou est-ce qu'elle va basculer du côté de l'Occident? Ça fait partie, je dirais, des grandes questions géopolitiques qui se posent. Bien. Alors donc l'actualité, effectivement, la succession de l'Empire, la succession de l'Union soviétique n'est pas terminée, l'actualité nous le montre, et ça va se poursuivre encore pendant des années et des décennies. Bien. Mais n'étant pas journaliste, n'étant pas agent de renseignement, je ne pourrais pas davantage vous parler de l'actualité, hein, n'est pas les connaissances. Hein. Moi je ne suis qu'un universitaire, j'ai besoin de prendre du recul pour l'analyse. Et donc c'est pour ça que, prenant du recul, je voudrais vous parler de la succession territoriale de l'Union soviétique, ce qui nous permettra de comprendre les problèmes territoriaux, les conflits territoriaux, hein, réels ou potentiels, au sein de l'ex-URSS ou autour de l'ex-URSS, au sein de la Fédération de Russie comme autour de la Fédération de Russie. D'accord? Donc là, mon propos, vous voyez, de manière générale. Alors, vous allez comprendre aussitôt pourquoi je me un petit peu requalifier les choses, succession territoriale plutôt que l'examen des conflits territoriaux. Je me reporte à 1993, elle a été publiée en 1993 par Michel Fouché, spécialiste de géopolitique, que tout le monde connaît, un atlas intitulé « Fragments d'Europe ». Et dans cet atlas intitulé « Fragments d'Europe », eh bien figurez-vous que Michel Fouché recensait pas moins de 176 litiges réels ou potentiels sur les limites intérieures ou extérieures de la Fédération de Russie et des 14 autres États issus de la dissolution de l'URSS. Donc vous comprenez pourquoi en une demi-heure, je n'ai pas le temps de vous recenser 176 litiges plus ou moins graves. Hein. Certains pas graves, d'autres plus graves. D'accord? Donc l'URSS, je le rappelle pour les plus jeunes, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. D'accord?
Donc, pour comprendre cette conflictualité réelle ou latente, hein, ces 180 litiges que je vous dis, 176 litiges que je vous disais, ben, il faut procéder en. Il faut mettre en avant deux choses. D'abord, il faut rappeler incidemment l'immensité géographique, hein, un sixième des terres émergées de l'ancienne URSS, la longueur démesurée des frontières terrestres, hein, c'était près de 19 000 km de frontières internationales, hein, le pourtour du URSS, la deuxième enveloppe frontalière du monde après la RPC, après la Chine populaire. Rappeler aussi l'existence de 36 groupes ethno-territoriaux en URSS, figurez-vous, dont les Russes, il n'y a pas que les Russes, hein, donc la diversité ethnique, hein, et il y a des groupes ethniques qui ne sont pas territorialisés, il y en avait 36 qui étaient territorialisés. République socialiste soviétique ou République socialiste soviétique autonome ou région autonome ou district autonome. Bien. Donc effectivement, nous sommes dans l'immensité, dans la pluralité. Bon. Ça, c'est un premier point, un rappel qui est facile. Et puis, il y a un deuxième point pour comprendre cette conflictualité frontalière latente ou réelle. Eh bien, il faut revenir aux années 1918-1922, qui marque la fondation de la RSFSR, la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie, puis de l'URSS. Et je rappelle que la République de Russie, la RSFSR, n'était qu'une partie de l'URSS. Ne confondez pas Russie et l'URSS. Or, la capitale dont l'État était Moscou de 1922 à 1991, c'était l'URSS, c'était pas la Russie. C'est pour ça, lorsque vous lisez, vous entendez de 22 à 99 parler de Russie et pas de l'URSS, on se trompe, c'est une erreur. Il y avait une Russie soviétique, une Ukraine soviétique, un Kazakhstan soviétique. La Russie n'était qu'une partie de l'URSS. Et cette partie a fait sécession en 91, avec les autres États, les 14 autres et puis que bon. Donc, il faut remonter, disais-je, à 1822 et puis aux années 89-91 qui ont marqué donc la disparition de l'URSS et l'avènement donc de 15 nouveaux États, un État continuateur de l'URSS en droit international, la Russie, et 14 États successeurs de l'URSS, à savoir les 14 autres républiques fédérées, hein, de l'Union soviétique, les 14 autres républiques socialistes soviétiques fédérées dans l'URSS. Alors, vous connaissez toutes, hein, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan. Voilà, la liste bien connue. D'accord, plus la Russie. Mais je rappelle qu'en 1991, d'autres républiques avaient proclamé leur indépendance, hein, et auraient pu devenir indépendantes. La Tchétchénie, bien connue, l'indépendantisme a été étouffé, comme vous savez finalement, mais aussi le Tatarstan et le Bashkortostan, en pleine idée rurale, en plein milieu de la Russie, du côté de l'Oural. Et l'écrasement de l'indépendantisme tchétchène participant de la prévention d'autres indépendantismes, du côté des Tatars blancs, du côté de Kazan, du côté des Bashkirs de l'Oural. Bien. Donc voilà, si vous voulez, le point. Je vous rappelle aussi, avant de commencer donc vraiment ma péroraison, 18-22 et puis 89-91, je vous rappelle qu'en 90-91, donc Gorbatchev avait réformé l'Union soviétique, hein, l'URSS allait devenir une démocratie libérale. La conversion à la démocratie au capitalisme avait été entamée. Hein. Et les républiques fédérées avaient leur souveraineté, pas leur indépendance en 90. Hein. Et donc il était prévu, Gorbatchev avait impulsé ce projet, mais ce projet avait été avalisé par référendum, il était prévu que l'URSS deviendrait l'URSS, que l'URSS deviendrait l'URSS, l'Union des Républiques Souveraines. Ça avait été prévu en 91. Et qui n'est pas advenu, entre autres raisons principales, en raison de la sécession de la République de Russie avec Yeltsin, concomitamment, la sécession de la Biélorussie et de l'Ukraine, hein, la fameuse rencontre de Biélorussie entre les trois présidents russes, biélorusses et ukrainiens, Yeltsin, Shushkevich et puis Kravchuk, bon, et ensuite les autres républiques fédérées finalement ont suivi, hein, ont adhéré à la CEI, hein, la communauté des États indépendants, hein, sauf les trois pays baltes et initialement la Géorgie. Plus tard, la Géorgie a rejoint la CEI. D'accord ? Donc au départ, dans ces années très troubles, hein, une fédération eurasienne aurait pu exister, moins les trois pays baltes, peut-être la Géorgie.
Et ça avait été avalisé très largement. République souveraine et pas indépendante. Et puis ça a échoué, donc, et on a eu, à la place de l'URSS, la CEI, simple confédération, la communauté des États indépendants. D'accord ? Donc voilà, s'il n'y a pas de fédération eurasienne, principalement, c'est en raison de la sécession de la République de Russie, décidée par Yeltsin. Et il est piquant de remarquer que depuis les années 2000, Poutine, avec son grand projet, c'est l'Union eurasienne, pour mettre fin aux tendances centrifuges et maintenir désespérément la prépondérance. Bien. Donc, voilà, c'est quelques mots. Donc, pour comprendre la conflictualité territoriale réelle ou potentielle autour de la Russie ou au sein de la Russie, autour de l'ex-URSS ou au sein de l'ex-URSS, il faut remonter donc à ces deux périodes extrêmement troublées, 89-91, et puis surtout, allons aux origines, si vous voulez bien, 1918-1922. C'est là où tout se dessine en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe donc en 1918-1922? Nous avons eu donc la révolution d'octobre, vous le savez, la prise du pouvoir par le parti bolchevique le 7 novembre 1917, ce n'était pas le même calendrier entre les Occidentaux et les Russes. Bon. Et après cette prise du pouvoir donc, par le parti bolchevique, a été créée le 10 janvier 1918 la RSFSR, la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie. C'est ça. Et cela donc dans un contexte de défaite face à l'armée allemande, dans un contexte où on est à l'époque de la Première Guerre mondiale, évidemment. Donc dans un contexte de défaite face à l'armée allemande, dans un contexte de soulèvement national des populations non russes. Bon. Et effectivement, de la fin 17 au milieu 18, eh bien, je vous rappelle, la Finlande, les Pays-Baltes, la Pologne, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan avaient proclamé leur indépendance. Des autorités locales autoproclamées avaient proclamé l'indépendance de leur peuple respectif. D'accord ? Alors attention, une indépendance sous protection ou occupation allemande, s'agissant des Pays-Baltes, de la Pologne, de l'Ukraine et de la Géorgie, et puis sous protection britannique, s'agissant de l'Arménie et puis d'Azerbaïdjan, à peu près. La situation est très compliquée, très mouvante, très confuse, très trouble. Bon. Ensuite, nous avons une guerre civile qui a éclaté, la fameuse guerre civile russe, à l'été 1918, entre d'un côté donc le gouvernement communiste, que je vous rappelle que le parti bolchevique a pris le nom de parti communiste le 5 mars 1918, officiel désormais, bon. Donc une guerre civile a éclaté, disais-je, entre d'une part le gouvernement communiste et d'autre part des mouvements insurrectionnels. Là encore, un maelstrom inouï à l'époque. Alors, mouvements insurrectionnels, nous avions donc des armées blanches, les plus connues, bon, les armées de la contre-révolution, comme on disait, Denikin, Wrangel, etc. Mais il n'y a pas seulement les armées blanches, nous avions des milices vertes, des milices paysannes, un peu partout, et nous avions des forces indépendantistes. Et entre ces mouvements-là, il y avait aussi des conflits, donc les blancs se méfiaient des verts, les indépendantistes se méfiaient des blancs, bon, quelque chose d'inouï, une complication extrême. Bien. Et puis ces mouvements étaient plus ou moins soutenus par les puissances alliées, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Japon, à l'époque, Première Guerre mondiale, qui ont opéré quelques débarquements de ci, de là, sur le pourtour. Bon, ça n'a pas été décisif, ça n'a pas été très important. Il n'y a guère que l'armée japonaise qui se soit enfoncée en Sibérie, mais ensuite les Américains ont intimé aux Japonais de se retirer. Bon. Donc, peu importe, finalement, à l'automne 18, le gouvernement communiste donc, ne contrôlait plus que la Moscovie, à peu près. La région autour de Moscou. Tout le reste était aux mains donc, de puissances étrangères, de mouvements insurgés ou de forces indépendantistes. Bien. Mais alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, fin décembre 18, conformément aux clauses de l'armistice de Breton du 11 novembre 1918, eh bien, l'armée allemande a dû évacuer, a achevé son retrait des territoires qu'elle occupait à l'ouest de la Russie. Donc, l'armée allemande a évacué les territoires donc, occidentaux de la Russie, Pologne, Ukraine, etc., plus tard les Pays-Baltes, bon. Et concomitamment, donc, l'armée rouge, qui elle a été créée, je vous le rappelle, le 15 janvier 1918, l'armée rouge a pris l'offensive au début de janvier 1919. Donc l'armée allemande se retire, l'armée rouge prend l'offensive début 19. Bien. Et l'armée rouge, donc, avec à sa tête Trotsky, le fameux grand spécialiste militaire Trotsky, donc l'armée rouge l'a progressivement emporté, donc, profitant des divisions entre les forces anti-bolcheviques, comme on disait, ces forces très bigarrées, et bien l'armée rouge
pour X raisons, l'a finalement progressivement emporté la bataille. Bien. Donc ça, c'était la solution militaire. Bon, d'accord. Mais la solution militaire, elle ne suffisait pas pour affermir le pouvoir communiste, en quelque sorte, du Parti communiste. Et donc, à la solution militaire, il a fallu adjoindre la solution politique. Solution militaire, c'est Trotsky. Solution politique, c'est Staline, cela. D'accord ? Qui était, lui, le spécialiste des nationalités. Bien. Et donc, solution politique, disais-je, une solution politique pour deux choses. Pour rallier les non-russes, d'accord ? Et d'autre part, pour, deuxième solution, et concomitamment, pour limiter la prépondérance russe. D'accord ? Une solution politique fédérale, deux objectifs, rallier les non-russes et limiter la prépondérance russe. Prépondérance existante, mais limitée. Bien. Donc à cet égard, voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que Lénine, donc, avait proclamé, dès le printemps 17, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bah, le principe qui devait servir donc à rallier, vous voyez, les populations. Bien. Donc il avait proclamé donc, le droit des peuples à l'autodétermination. Et ce principe, donc, a été appliqué et réinterprété par Staline, avec l'accord de Lénine. Bien. Pour une, donc, par conséquent, réinterprétation, pour, je dirais, principalement, donc, pour une solution politique fédérale, vous voyez, hein, consistant donc, voilà, concrètement, à quoi a consisté, donc, cette solution politique fédérale, elle a consisté à octroyer au peuple de Russie, au peuple d'Eurasie, hein, une autonomie territoriale nationale. D'accord ? Les peuples de Russie, les Russes et les autres, hein, ils auraient, vous voyez, une autonomie nationale territoriale. Autrement dit, les différents peuples auraient leur république fédérée, qu'on appellera bientôt République Socialiste Soviétique, RSS. Ou bien auraient, principe essentiellement au sein de la République de Russie, ils auraient les différents peuples, des républiques, leur république autonome, République Socialiste Soviétique Autonome. Ou pourquoi pas par la suite des régions autonomes ou des districts autonomes. Or, donc quelque part, vous voyez, on a redécoupé, comment dirais-je, le territoire soviétique selon, en quelque sorte, les groupes ethno-linguistiques. Les principaux ayant une république fédérée, hein, ceux donc qui jouxtaient une frontière internationale ou qui jouxtaient la mer libre, d'accord, république fédérée, et les autres peuples, plus ou moins enclavés dans la Russie, ils n'auraient que, c'est déjà mal, des républiques autonomes et non pas des républiques fédérées. D'accord ? Donc, voilà, donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Évidemment, ces républiques fédérées et ces républiques autonomes, et c'était ça la garantie de leur autonomie politique, hein, eh bien, ils auraient, et ils ont eu effectivement, leur propre parti communiste. D'accord ? Il y avait un parti communiste ukrainien, kazakh, kirghize, plus tard, letton, etc., etc. Chaque république fédérée, et même chaque république autonome, avait son propre parti communiste. D'accord ? Hein ? Nous avions un État fédéral du RSS, nous avions un parti communiste non soviétique, lui aussi fédéral. D'accord ? Il n'y avait qu'une république qui n'avait pas son propre parti communiste, c'était la RSFSR. Il n'a jamais existé, sauf en 90, c'était éphémère, il n'a jamais existé de parti communiste russe. Le PCUS faisait office de PC russe. Le PCUS donc, était composé des délégués des PC des républiques fédérales autonomes, ainsi que des délégués des subdivisions administratives de la Russie. D'accord ? Bien. Donc l'URSS, donc, victoire militaire de l'armée rouge, nous sommes d'accord, solution politique fédérale, bon, République de Russie, autour de cette République de Russie, vont s'agréger d'autres républiques soviétiques à la faveur de la victoire de l'armée. Alors l'URSS donc a été proclamée le 30 décembre 1922. La constitution de l'URSS a été promulguée le 30 décembre 1922. Et en 1922, eh bien, il y avait 6 républiques fédérées. Russie, Biélorussie, Ukraine, Transcaucasie, Géorgie, Arménie, Ouzbékistan et Turkménistan. Voilà les 6 républiques fédérées de la première URSS, plus 11 républiques autonomes. En 1936, deuxième constitution de l'URSS, eh bien, il y avait 11 républiques fédérées en 1936 en URSS. L'URSS était composé de 11 républiques fédérées, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan,
la Kazakhie, l'Ouzbékie, la Turkménie, la Kirghizie et la Tadjikie. Bon, retrouvons les actuels régions. Hein, plus 22 républiques autonomes. 11. Et puis finalement, 1940, 4 autres républiques fédérées, on a le total de 15, hein, qui durera jusqu'à la fin. Hein, 4 autres républiques fédérées en 1940, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, ainsi que la Moldavie. Hein, donc l'URSS, pactisant avec l'Allemagne, a pu obtenir donc les Pays-Bas, la Moldavie, et ensuite également en 1939, à la moitié orientale de la Pologne. Mais vous remarquerez, il n'a jamais existé en URSS de république polonaise. Alors qu'il a existé une république roumaine, la Moldavie. D'accord ? Bon, voilà, si vous voulez, donc, nos 15 républiques fédérées, et puis en plus, il y avait principalement au sein de la RSFSR des républiques autonomes pour les différents peuples, pour les Bashkirs, les Tatars, les Yakouts, les Nénets, les Tchouks, les Touas, les Tchouvaches, il y a plein de peuples au nom inouï, n'est-ce pas, hein, tout à fait exotique, tout à fait amusant, hein, les Maris, les Komis, les Yamalo-Nénets, que sais-je, tout à fait fleuri. Bien. Donc voilà. Et puis, donc, je vous le disais, chaque république avait son propre parti, sauf la RSFSR. Hein, le PC russe était directement le PCUS, hein, composé des membres des PC des républiques fédérées autonomes, ainsi que des membres donc, des subdivisions administratives de la Russie. D'accord ? J'ajoute le point suivant. Purement théorique, pendant 70 ans presque, figurez-vous que cette Union soviétique, d'accord, cette fédération, eh bien, selon les constitutions de l'URSS en 22, en 36, la dernière en 77, les trois constitutions soviétiques, eh bien, selon donc ces trois constitutions, les républiques fédérées, pas la République autonome, hein, les républiques fédérées, disposaient théoriquement du droit de sécession. Eh oui, tout à fait, l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est pas un vain mot, c'est théorique. Mais ça vient à éclater entre 89 et 91. Et puis, ces républiques fédérées, elles avaient leur langue officielle. Ukrainien, kazakh, kirghiz, etc. Elles avaient leur territoire. Bon, et puis alors, c'était ajouté également dans les constitutions. Ces républiques fédérées, elles devaient consentir à toute modification territoriale projetée par l'Union, par le pouvoir fédéral, par le pouvoir central. Donc, une langue, un territoire, alors, aux limites souvent très compliquées à dessein, à part ça pour la place, non hein. Donc leur langue, leur territoire, leur parti communiste, donc leur direction autonome propre, hein, et toute modification territoriale, il faut le consentement de la République concernée. Voilà, la Fédération soviétique, hein, le parti État soviétique, parti unique évidemment, à structure fédérale et multinationale, comme l'État soviétique était un État fédéral multinational. D'accord ? Voilà donc la construction, bien, assez complexe. Effectivement, jamais l'Empire russe, ni la Fédération de Russie, ni l'URSS n'ont été des États-nations. Évidemment que non. Vous le savez peut-être, dans la constitution actuelle de la Fédération de Russie, il est dit « Nous, peuple multinational de la Fédération de Russie ». À l'époque de l'URSS, en 91, il y avait 300 millions d'habitants, la moitié de Russes. La Russie, de nos jours, 140 millions d'habitants, 80% de Russes. Donc il n'y a pas de Russes, hein. C'est bien ça. Donc le pouvoir fédéral soviétique, donc quelle était la combinaison pour faire durer l'URSS, rappelez-vous le but, c'est rallier les non-russes et concomitamment limiter la prépondérance russe, ne serait-ce qu'au nom du droit des peuples à disposer de l'eau. Bien. Donc le pouvoir fédéral soviétique reposait sur une combinaison, une quadruple combinaison. Alors premièrement, d'abord, l'URSS hein, se voulait non pas un État russe, mais un État universel. Or, se voulait l'État universel des travailleurs, n'est-ce pas ? L'URSS était un État idéocratique. Hein. Je vous rappelle que l'URSS, c'est un nom sans référence ethnographique. À ma connaissance, c'est le seul État qui ait jamais possédé un nom sans aucune référence ethnographique. Union des républiques socialistes soviétiques. Je ne prends pas Russie, moi. D'accord ? La France se veut universaliste, mais notre pays s'appelle République française. Il ne s'appelle pas République des droits de l'homme. Hein ? États-Unis d'Amérique, République populaire de Chine, République islamique d'Iran. L'URSS, il n'y a pas de référence à l'Europe. Hein, il y a Soviet, bon d'accord, mais c'est pas en Chine. D'accord ? Et je me rappelle, l'emblème de l'URSS, c'était le drapeau rouge avec le marteau et la faucille. Les travailleurs, quoi. Bon. Donc vous voyez, idéologiquement, bon, l'État soviétique n'était pas un État russe.
Bon, et puis l'État soviétique avait créé de citoyenneté soviétique par-delà les nationalités culturelles, par-delà donc les Russes, les Ukrainiens, les Kazakhs, les Lettons, etc. Bien. Ensuite et surtout, deuxièmement, prépondérance russe, certes, prépondérance russe, limitée. Prépondérance russe parce que tout simplement, bon, là c'est facile à comprendre, hein. Bon, les Russes étaient les plus nombreux, les plus étendus, capitale de l'URSS c'était Moscou, évidemment, langue officielle de l'URSS c'était le russe, évidemment, hein. Et en même temps, le russe était aussi la seconde langue des autres républiques fédérées, hein, Crète, etc. D'accord ? Et puis il y avait aussi cette réalité, la libre circulation des personnes. Alors attention, dans le cadre d'une économie collectivisée planifiée, cette liberté était très encadrée, hein, c'est sûr, sans parler des zones interdites aux citoyens soviétiques eux-mêmes. Mais enfin, en gros, quand même, il y a quand même une libre circulation des personnes qui faisait que les Russes s'installant dans les autres républiques amenaient avec eux leur langue, tandis que les non-russes s'installant en Russie ou dans d'autres républiques, eh bien, étaient amenés à apprendre le russe. Donc effectivement, cela pouvait favoriser donc la prépondérance russe et puis une certaine russification. Bon. Mais pour autant, cette prépondérance russe était limitée et elle devait être limitée au nom de l'universalisme soviétique et au nom de ce fédéralisme, au nom de ce caractère multinational, rallier les non-russes. Hein. Donc limitation, eh bien, je dirais de deux ou trois façons. Premièrement, donc, après tout, les peuples non-russes avaient leur propre république, fédérée ou autonome, avec leur propre langue, je vous le disais. D'accord ? Autre point quand même intéressant, biélorusse, ukrainien, ce sont là des langues slaves, assez proches de la langue russe. Bon, année 1920, ce sont des populations largement illettrées. On aurait pu imaginer les alphabétiser qu'en russe, quelque part. Eh bien non, je vous le rappelle. Les langues slaves proches du russe, hein, biélorusse, ukrainien, ont été cristallisées, ont été différenciées du russe. Donc, quelque part, le corps soviétique a favorisé la différenciation biélorusse, ukrainien et russe. Hein. À une époque, on se rappelle, le gros des gens à la campagne, hein, les campagnes de l'époque, hein, étaient largement analphabètes. Bon. Alors là, ce qui fait donc, quelque part, vous voyez, nous avons cette limitation de la prépondérance. Alors, d'un autre côté aussi, troisième point qu'il faut noter, enfin, qu'il faut comprendre pour si vous voulez comprendre la combinaison gagnante soviétique, certes, c'est pas seulement les langues slaves qui ont été différenciées, c'est aussi et surtout les langues turques. Hein, vous savez que les langues turques sont très présentes en ex-URSS, c'est une fabuleuse expansion des parlers turcs, hein, de la Bulgarie jusqu'à la Mongolie, donc il y a beaucoup de parlers de groupes turcophones, hein, en Russie aujourd'hui, en URSS hier, bon. Et justement, les langues turques, effectivement, ont elles aussi hein, été cristallisées, été différenciées, notamment en Asie centrale, hein, avec, donc, je vous le répète, pour chaque groupe ethno-linguistique plus ou moins construit ou cristallisé, hein, une république fédérée ou une république autonome. Et tout ceci, évidemment, vous l'aurez compris, afin d'empêcher toute unité pan-turque, hein, divisée pour régner. C'était la formule aussi. Effectivement, on a bien pris soin de toujours au maximum cristalliser, différencier les groupes, éviter toute communauté, vous voyez, qui soit pendue. Bien. D'accord ? Donc voilà, diviser pour régner, c'était la formule, et cette formule, donc on a décidé des frontières très compliquées, notamment en Asie centrale, hein, des limites de république autonome ou république fédérée très compliquées, et c'est aussi l'une des sources hein, des conflits ethno-territoriaux depuis 80. D'accord ? Donc ici, j'insiste sur ce dernier point, si vous voulez, diviser pour régner, c'est donc la formule, quelque part, du pouvoir fédéral soviétique, hein, pour arbitrer, aucune république fédérée ni aucune république autonome n'était homogène au plan ethno-linguistique. Chacune de ces républiques contenait toujours des minorités, sans parler hein, de l'installation d'autres citoyens soviétiques en raison de la libre circulation des personnes. D'accord ? Donc aucun groupe ethno-linguistique n'était tout entier contenu dans sa république, d'accord, et aucune république hein, ne contenait que son groupe ethno-linguistique. Et donc, il y avait quelque part, pourquoi pas, des conflits même pacifiques, hein, locaux, ils se trouvaient donc arbitrés par le pouvoir fédéral, le pouvoir central. D'accord ? Donc là, si vous voulez, la combinaison hein, du fédéralisme soviétique à prétention universaliste, hein, rallier les non-russes, limiter, pas supprimer, limiter la prépondérance. D'accord ? Donc, voilà, si vous voulez, la situation. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe, à la fois, plus tard, les années 80, arrivons maintenant aux années 88-91, hein. Donc, vous le savez, Gorbatchev a voulu réformer le système soviétique.
politique, hein. Il s'est heurté à la résistance de la nomenclatura, donc il a dû s'appuyer sur une société civile soviétique renaissante pour lutter contre la nomenclatura, et donc il a déclenché, il a développé la perestroïka, hein, la réforme, et la glasnost, hein, la transparence. Bon. Alors, je n'épilogue pas plus, je vais à l'essentiel géopolitique qui nous intéresse. Hein. La perestroïka et la glasnost, fondamentalement, géopolitiquement, ont fait monter les revendications nationales. Au fond, c'est ça, hein, fondamentalement. En quatre phrases, je dirais, 88, revendications démocratiques. On réclame des libertés publiques ou privées. Bon, 88, c'est ça, à peu près. Ensuite, revendications démocratiques, revendications, autre phrase, identitaires. On s'est mis à invoquer la langue, la culture, la mémoire. Mémoire hautement douloureuse, hein, parce qu'en URSS, de Lénine à Staline, effectivement, les violences ont été extrêmes, hein, massives. Hein. Bon. 89, je veux dire. D'accord, revendication identité. Et puis ensuite, revendication souverainiste en 90. Nos républiques fédérées ont multiplié les déclarations de souveraineté. On reste dans la fédération. Mais aujourd'hui, on choisit de rester. D'accord ? Mais aussi, certaines républiques autonomes. On proclamait leur souveraineté, Tchétchénie, Tatarstan un petit peu, quelque part, Bashkirie de Bashkortostan, bon, etc. D'accord ? Et puis enfin, finalement, bon, l'URSS a échoué, la CEI, hein, et enfin en 91, c'était ma foi, revendication sécessionniste. D'accord ? Donc démocratique, identitaire, souverainiste, sécessionniste, les républiques fédérées, emmenées par la Russie. Ainsi que certaines républiques autonomes ont proclamé leur indépendance et a été constituée la CEI, et donc simple confédération et non pas l'URSS. D'accord ? Donc finalement, je dirais donc, et nous arrivons effectivement au problème ethno-territoriaux que j'évoquais, on est là-dessus ou presque. Donc je vous rappelle que l'URSS officiellement a été fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination, du moins réinterprété, autonomie. Hein. Bon. Et je rappelle que ce droit des peuples, hein, on le retrouve dans la constitution de la Fédération russe. Elle n'énonce pas le droit de sécession, mais elle dit que tous les peuples ont un droit d'autodétermination. Effectivement, vous trouvez ça à l'article 5 ou aux autres articles de cette constitution. Bien. Donc finalement, je dirais, cette fondation, eh bien, c'est le droit des peuples qui a fini par faire éclater l'URSS. Or, le droit des peuples, autrement dit, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le droit des peuples, si je résume un petit peu tout ça, c'est l'aspiration nationale et l'aspiration démocratique. Alors ça veut dire quoi si je vais emprunter Yves Lacoste, hein, le directeur, le fondateur, puis l'ancien directeur de Hérodote, hein, le politique que vous connaissez, hein. Qu'est-ce que c'est que l'aspiration nationale? Eh bien, nous disait Yves Lacoste à juste titre, me semble-t-il, c'est l'aspiration à être gouverné par des compatriotes dans un État. Ne plus être gouverné par des étrangers, hein, mais par des compatriotes, être gouverné par un des siens, comme dit Yves Lacoste. D'accord ? Bien. Et d'autre part, l'aspiration démocratique, bon, être gouverné par des compatriotes, et puis l'idéal démocratique par des compatriotes élus au suffrage universel direct. Voilà, je dirais la double aspiration nationale-démocratique, être gouverné par les siens, et puis qu'on puisse élire librement ceux qui nous gouvernent. D'accord ? Et donc, par conséquent, vous voyez, de la dissolution de l'URSS, ont surgi donc 14 États successeurs et un État continuateur. Donc, se posent toujours, hein, d'énormes problèmes de succession en droit national. Ils sont plus ou moins résolus, mais pas complètement. Hein. 14 successeurs, un continuateur, c'est la Russie continuateur. La Russie qui a hérité, hein, de l'arsenal nucléaire, du réseau diplomatique, du siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies de l'URSS. Or, la Russie continue l'URSS en droit national, et 14 autres succèdent. Or, et donc, ils ne sont point liés aux engagements contractés par l'ancienne URSS. Mais ils sont engagés à respecter les traités d'armes de contrôle ou les traités militaires. D'accord ? Donc, en même temps, évidemment, concomitamment, géopolitique, 15 nouveaux États, un continuateur, 14 successeurs, et bien en même temps, ont surgi des milliers de kilomètres de nouvelles frontières terrestres. Sans parler, je ne parle même pas du problème des frontières maritimes. Donc des milliers de nouvelles frontières, des milliers de kilomètres de nouvelles frontières terrestres sont apparues. Alors de deux types de frontières. Bon. Premièrement, pas trop difficile, les frontières correspondant aux anciennes limites internationales de l'URSS. Et puis deuxièmement, là c'est plus difficile maintenant,
les frontières correspondant aux anciennes limites des républiques fédérées au sein de l'URSS. Bon. Alors c'est très simple. Enfin, c'est très simple, c'est très compliqué, justement. Les premières en question étaient délimitées et démarquées. Donc effectivement, les frontières internationales de l'URSS étaient bien délimitées et au contraire démarquées sur le terrain. Effectivement, il y avait des poteaux, des douaniers, des policiers, des militaires. La frontière soviétique, c'était pas l'Ariola, hein, bon. Avec, vous le savez, cette particularité, c'est que sur près de la moitié de l'enveloppe frontalière, il y avait des forces soviétiques derrière la frontière et des forces soviétiques devant la frontière. Hein. Afghanistan, Mongolie, Europe centrale, nous avions des troupes soviétiques, non seulement en URSS, mais de l'autre côté, hein, dans le cadre de l'OPDB, principalement. D'accord ? Bon. Mais attention, ces frontières, certes, elles étaient donc délimitées et démarquées, mais elles étaient celles de l'URSS, pas d'un autre État, pas de la Biélorussie, pas de l'Ukraine, pas de la Lituanie, de l'URSS. Un seul URSS était reconnu comme État. L'Ukraine et la Biélorussie n'étaient que des républiques fédérées. D'accord ? Donc par conséquent, il a fallu que ces frontières-là, vous voyez, soient confirmées par les États tiers. Donc effectivement, que les Polonais, les Roumains disent, ben oui, les frontières de la Biélorussie soviétique sont bien les frontières de la Biélorussie est indépendante. Pareil pour l'Ukraine, etc., etc. D'accord ? Et cela donc conformément au principe d'intangibilité des frontières internationales. Mais les secondes, elles, par contre, dans les frontières Kazakhstan, Russie, Ukraine, Russie, Géorgie, Arménie, etc., etc. Bon. Les secondes, les limites internes hein, de l'ancienne URSS, eh bien, elles étaient délimitées. Mais très rarement démarqués. Il n'y avait pas de poteaux, il n'y avait pas de douaniers, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de militaires. Et très peu de démarcations. Donc les nouveaux États ont dû, ça prend du temps quand même, hein, démarquer leurs frontières, la marquer sur le terrain, si vous voulez. Bon. Et puis, deuxièmement, leur délimitation, sur la carte à grande échelle, à petite échelle, bon, leur délimitation relevait du droit interne soviétique, du droit constitutionnel soviétique. Et non pas du droit international. D'accord ? Donc par conséquent, non seulement les nouveaux États, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Géorgie, tout ça, hein, ont dû démarquer leurs frontières, mais en plus, ils ont dû s'entendre entre eux, Géorgie et Arménie, ou ne pas s'entendre, hein, c'est très très compliqué. Donc ils ont dû s'efforcer en tout cas de s'entendre entre eux, ou de s'entendre avec les États tiers pour leur délimitation internationale. Et ça a demandé beaucoup de temps, et c'est pas complètement fini, d'accord ? Il y a encore des frontières comme ça, des diades hein, entre deux États, qui ne sont pas formellement acceptées, accordées par les États concernés. Bien. Donc comment est-ce qu'on fait pour délimiter une frontière hein ? Comment est-ce qu'on fait dans la pratique, et que nous dit le droit national à mettre en la matière ? Bon. Ben, il y a deux procédés. Premièrement, il faut des accords bilatéraux entre les États. La frontière terrestre est une affaire bilatérale. C'est toujours deux États, c'est pas tout seul, hein, évidemment. C'est pas maritime. Hein. Bon, il y a encore même maritime, il faut aussi s'entendre, mais restons terrestres. Donc, il a fallu donc conclure des accords bilatéraux. Russe, Chine, Kazakhstan, Chine, Kyrgyzstan, hein, Russie, Estonie, en 2007, il y a eu des accords à cet effet. Ou bien, donc, des accords bilatéraux ont été conclus, mais pas partout. Il y a encore des limites. Où vient a pu jouer, bon, c'est la, comment dirais-je, l'institution du droit national, si vous voulez, a pu jouer le principe, qu'on appelle en latin, je m'excuse, le principe de l'utibus sinetis. Or, autrement dit, pour parler français maintenant, c'est un principe fondamental du droit national, c'est là, c'est le principe de stabilisation des tracés territoriaux, hein. C'est le seul principe de stabilité, je dirais, en ce moment, hein. Le maintien des anciens tracés territoriaux par et pour les nouveaux États. Autrement dit, les limites changent de statut. Elles ne sont plus celles de la République fédérée, mais d'être indépendantes. Elles ne changent pas de tracé. D'accord ? Effectivement, depuis la décolonisation, puis la décommunisation, on observe que les tracés ne bougent pas. Donc les limites du Gabon dans l'Afrique occidentale française sont celles du Gabon dans le Gabon étant indépendant. Les limites de la Slovénie dans la Yougoslavie sont celles de la Slovénie étant indépendant. D'accord ? Les limites du Kosovo, province de la Serbie, sont devenues les limites du Kosovo étant indépendant. Hein ? Pareil pour l'Ukraine, la Géorgie, etc., etc. Mais ce principe-là, donc, il joue en l'absence d'accords bilatéraux. D'accord ?
Donc, quelque part, il ne supplée pas complètement à la conclusion de l'accord bilatéral. D'accord ? Et puis, j'ajoute effectivement, on aura des milliers de kilomètres de nouvelles frontières, donc ils ne sont pas toujours sur les cernes, hein. Et puis, je vous le rappelle, des républiques sécessionnistes sont apparues, hein, autres que la République fédérée. Hein. La Tchétchénie vis-à-vis de la Russie, la Crimée vis-à-vis de l'Ukraine, dès 91, les Crimées ont revendiqué l'indépendance, hein, pour un probable rattachement à la Russie. La Crimée, c'est pas trop grave, parce que les limites de la Crimée n'ont pas bougé. Région autonome de Russie, en 54. Région autonome d'Ukraine, en 54. Bon. Ensuite, République autonome, la Crimée, au sein de l'Ukraine. Hein. Bon. Ensuite, rattachement à la Russie. On ne touche pas aux limites. L'Ukraine orientale, c'est beaucoup plus grave. Parce que quelque part ici, vous voyez, si l'Ukraine était coupée en deux, il y aurait une nouvelle frontière ukrainienne en fonction donc, du clivage entre russophones et puis ukrainophones. Bon. Et là, l'outil possidétis va voler en éclats. C'est pour ça que c'est très grave, l'affaire Ukraine. D'accord ? Mais si on remet en cause un tracé territorial pour la première fois, alors que jusqu'à présent, vous voyez le Kosovo, hein, indépendantisme, mais on ne touchait pas au tracé territorial. Vous voyez, c'est beaucoup plus grave, l'affaire ukrainienne, quelque part. Bon. Autre sécessionnisme, Transnistrie vis-à-vis de la Moldavie, Abkhazie, Ossétie du Sud, Adjari vis-à-vis de la Géorgie. Sans parler du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh ou le Nakhitchevan. Hein. Plus l'esclave russe de Kaliningrad, hein, un morceau de territoire de Russie qui est séparé de la Russie par Lituanie, Biélorussie et Pologne. Bien. Donc là, si vous voulez, donc, effectivement, le pourquoi un petit peu de ces problèmes de conflits territoriaux, hein, nous sommes ici, je dirais, face au problème hein, plus général de la succession territoriale de l'URSS. Avec donc mille et un épisodes hein, qui sont pour certains réglés, d'autres ne le sont pas, et puis il y a l'affaire ukrainienne, hein, dont l'enjeu, bon, il y a pas des frontières que je vous disais, et puis il y a un autre enjeu tout aussi large, hein, c'est le destin de l'Ukraine, hein, le maintien dans l'espace en russe, hein, ou bien le basculement vers l'Ouest. Bon, je vous rappelle, la Russie de Poutine qu'on voudrait contrer les tendances centrifuges hein, qui se manifestent dans l'espace ex-soviétique, ou voire même en Russie, bon, réaffirmer la prépondérance russe, mais dans un cadre fédéral, hein, les peuples ne sont pas niés en Russie, hein, ils ont leur autonomie, ils ont des autonomies donc substantielles quand même. Hein. Et donc la solution de Poutine, que vous le savez, ça serait le grand projet de Poutine, c'est l'Union Eurasienne, en quelque sorte pour dépasser, vous voyez, ces conflits territoriaux internes ou externes. Bon, c'est tout à fait dit, enfin, c'est un projet, je ne sais pas si il se réalisera, mais je vous rappelle quand même, l'Union Eurasienne, c'est une sorte de retour à l'URSS. Or, qui a fait le chemin de l'URSS ? Le sécessionnisme de la République de Russie. Voilà comment le serpent se mord la queue. Voilà donc ce que je voulais vous dire, en général, donc, sur les difficultés territoriales en ex-URSS et plus en Russie. Je vous remercie pour votre attention, j'étais un petit peu long, mais c'est plus vrai. Je vous remercie.